piloter un avion de ligne, naviguer avec plusieurs bateaux, tous différents, avoir une entreprise de travaux miniers, avoir des fermes sur une map 16 fois plus grande que celle de base, bah c'est possible et je vais vous la présenter, mais c'est pas le but de cette vidéo. Sur cette vidéo, d'abord je vais vous la présenter, mais ensuite on va tester pas mal de bateaux, mais surtout, on va voir combien de tracteurs on peut rentrer dans un avion cargo, car oui, sur cette map, il y a des avions cargo et on peut les piloter. Quand vous arrivez sur cette map, on vous propose plusieurs méthodes pour commencer, et ça déjà c'est très innovant. Regardez, on propose de reprendre la ferme Johnson avec 200 000 euros si je suis en farmer mode ou en farm manager 1 million. Donc vous voyez, et regardez, et selon ce qu'on commence, regardez, on a différents matériels. Donc là c'est une ferme un petit peu céréalière, ici une ferme pour faire du peuplier, où on commence avec un bateau, parce que pour certaines activités, un bateau sera pratique pour traverser notamment le fleuve. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. On a une ferme ici, plus d'élevage, ah oui, pour les chevaux apparemment. Ici une ferme pareil de... oui, c'est une céréalière, ici une ferme pour le coton, une ferme pour la canne à sucre. Bah d'ailleurs, franchement, je prendrais bien une ferme comme ça, moi. Sinon, on a quoi d'autre? On a, oui, on a une entreprise forestière un petit peu, bah, pour rappeler notre déforestation totale adorée. L'entreprise ici, minière, de travaux miniers, qui est vraiment sympa. Et si vous cliquez là, vous aurez vraiment ces véhicules, parce qu'il y a beaucoup de modes de fournis directement avec cette map. Bon, apparemment, voici ma ferme. Bon, on n'est clairement pas là pour ça, mais juste histoire de vous donner un petit avant-goût de à quoi ressemble cette map, avant de commencer réellement le challenge. Ok, donc là c'est une ferme en gros qui va nous servir à faire de la canne à sucre. Principalement, on a un peu de matériel j'ai l'impression. Ouais, bah en gros tout, ouais, voilà, tout ce qui est fait pour cette fameuse canne à sucre. Maintenant, lorsque je vais appuyer sur tab, on va passer dans ce véhicule-là. La récolteuse, mon camion, un case, un stayer, un bateau. Un bateau, on va les tester, hein. On va les tester les bateaux n'ayez crainte, mais on fera ça juste après le challenge avec l'avion, parce que j'ai bien envie de commencer par ça. Bah on fait ça, on fait ça. Alors bien sûr on a un avion, il est contrôlable et il fait du bruit hein. Je sais pas si vous allez bien entendre le bruit de fonctionnement, mais normalement, oui oui vous allez l'entendre. Un magnifique Airbus Beluga je crois, c'est ça. C'est le Beluga, donc en gros c'est un avion cargo qui permet de transporter d'autres avions ou des pièces je crois. Enfin vous allez voir, nous il va nous servir à transporter des tracteurs et c'est plutôt pas mal. Atterrissage, c'est ici qu'on va effectuer le chargement de l'avion. J'essaye de freiner, mais ça prend énormément de temps hein, pour se freiner. Pour ceux qui étaient là sur le live de vendredi où je l'ai découvert, ça prend du temps, hein. On va pas se mentir. Allez, 190 km/h. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Ouais, c'est bon. Là, il ralentit beaucoup plus vite. On va peut-être essayer de se mettre dans... Oh non, on est bien... non, ouais, dans l'autre sens. Non, ça m'arrangerait presque. Ça m'arrangerait presque. On va le laisser ici à cette vitesse. Normalement, il va faire demi-tour en bout de piste. C'est... Je rappelle qu'on est sur farming. Je sais pas encore quel genre de tracteur je vais mettre dedans, mais vous allez voir, il y a de la place à l'intérieur. Est-ce que je peux vous montrer d'ailleurs comme ça? Ouais, regardez. Il y a de la place. Hein. Non, non, oh, calme-toi, calme-toi. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Arrête-toi. Arrête-toi. Je tire à fond sur le frein là. Je peux pas aller plus vite sur le frein. Vous allez voir quand on va descendre, il va nous dire merci d'avoir choisi notre compagnie. Merci d'avoir choisi Air King Mode pour votre vol. La température extérieure est de 18 degrés. Ah, attends. Hop. Et là, quand je descends... Thank you for flying Dagenet Air and be sure to check out our website www. Bon, il le dit en anglais. Mais c'est marrant. Du coup, ici, on a cet avion quand je monte dedans. Bon, il va raconter sa vie. Mais lorsque j'appuie sur N, ça va le déplier. Et ça va ensuite déplier tout un mécanisme. Regardez. De rampe pour que je puisse ensuite monter des tracteurs dedans. À la base, c'est pas fait pour les tracteurs, mais j'en ai rien à faire. Je vais mettre des tracteurs dedans et à mon avis, je vais en mettre beaucoup. Je pense que je peux en mettre une vingtaine. Hein. Enfin, j'abuse peut-être un peu. Et après, on va décoller avec, voir si ça bug pas totalement. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Et on peut sangler aussi, mais j'ai pas de tracteur sanglable. Mais c'est beaucoup plus marrant si on peut pas les sangler. Hein. On va pas se mentir. Mais du coup, si sur vos maps, vous avez besoin d'installer un avion pour transporter des trucs. Ça peut être marrant, ça me donne presque des idées pour déforestation, mais on va éviter. Hein. Eh bien, voilà quelques tracteurs d'arrivée. Finalement, j'en ai amené 25, mais je pense que 25... Oh, ouais, c'est peut-être ce qu'on va pouvoir mettre dedans, parce qu'après, en mettre sur deux étages, ça sera pas très réaliste. Bon, celui-là a l'air d'être le plus près. J'ai pris les beaux Fenvario. En gros, j'ai pris que des modes de la sélection du roi ou des modes de base. Ils font des bruits magnifiques. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la sélection du roi. Les résultats devraient être prêts sur King Mode. Comment on fait, là?
Ah oui, donc on peut en mettre 3 de largeur largement en fait. Enfin, en poussant un peu, en montant un peu quoi. Comme ça. Ouais, il y a moyen d'en mettre. Tombe pas, tombe pas. En vrai, si je le mets comme ça là. Hop, je pense qu'il y a moyen d'en mettre 3. Hein. Je pense qu'on va essayer d'en mettre un deuxième au milieu. Ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. J'ai été optimiste. À mon avis, il vaut mieux les mettre les deux sur le plat. Et on verra après si on peut mettre par-dessus, mais ça va être chaud. Hein. Bah ouais, y a plus rien. Donc 25 tracteurs. Et là vous allez me dire, ah ouais putain 25 tracteurs c'est pas, oh, c'est pas mal mais c'est pas énorme. Il est pas plein du tout hein. Je pense qu'on peut encore en mettre pas 10 mais pas loin. Pas loin de 10. Je vais essayer de les mettre de façon un peu RP. Là en vrai il y aurait moyen de faire de la place. Attends, est-ce que le fen on peut pas le tirer et le mettre un peu mieux parce que là il se fait un peu rentrer là où ça fait mal. Ouais non il veut pas hein. Oh, ça lag un peu en plus, vu que je suis un peu dans 25 tracteurs à la fois. Alors attends, là c'est bon. Ouais, je peux pas vraiment mieux organiser ça. Hein. Peut-être reculer un peu le John Deere, ça ferait un peu plus de place pour le Fen et le Class. Bon, j'essaie de les ranger correctement, mais c'est vraiment pas facile. Le Fen, du coup, est-ce que je peux le redresser là? Ouais, c'est chaud. Hein. Bon, il y en a qui sont un peu dans tous les sens. Mais sinon, on a quand même un bel avion avec 25 tracteurs. Mais du coup, moi, je voulais tester combien on pouvait en mettre au max. Ça m'a l'air pas mal. Franchement, il y a du coup, je crois, 25 plus 8. Donc, on est à 33. 33 véhicules dans cet avion cargo. On va voir s'il décolle. Bon, je m'en fais pas trop. Peut-être qu'il va peut-être pas atteindre la vitesse maximale. On va juste attendre qu'il termine. On va refermer tout ça. Donc ça va se replier. Comme on peut le voir ici. Attendez, je vais enlever la carte. Comme on peut le voir ici, ça va se replier. Alors je sais pas trop comment ça va. J'espère que ça va pas trop taper dans le masset. Ou aussi. Ou aussi, j'ai peur que ça fasse des grosses collisions là. Attention. Ça va. J'ai eu peur. Donc j'aurais pas pu mettre de véhicule là, sinon il aurait été repoussé. Donc on peut rien mettre sur la partie avant apparemment. Ça se referme. Normalement, je peux décoller. On va mettre des gaz. Comment ça se passe? Oh, ça tremble pas mal. J'ai l'impression que ça tremble pas mal. J'ai envie de voir comment ça se passe à l'intérieur. Où ça bouge. Où ça bouge dans tous les sens. Ça a l'air de tenir. What? J'arrive pas à aller au-dessus de 100 km/h? Ah si, c'est bon. 130, mais vous voyez la vitesse, elle lag. Alors je crois que c'était pas le cas avant. 150. La vue intérieure bouge pas mal. Ouh là, ça c'est tous les tracteurs. On va voir quand on va décoller. 200 km/h. What? Oh, oh merde! What? Il y en a un qui est sorti? Il y en a vraiment un qui est sorti? Mais non. On les a... Un autre? On les a encore les autres? Attends, comment c'est? On va décoller, là ça va voler dans tous les sens, je pense. Décollage. Oh ça va, c'est pas trop brut. On voit des roues aller dans tous les sens. Je vais essayer de rentrer dans la cabine, mais c'est vraiment très compliqué. Ok, ça bouge dans tous les sens à l'intérieur. Oh là là. Ok. On va essayer d'atterrir au prochain aéroport. Voir combien on a de tracteurs. Voir si on a les 33. Bon, déjà on sait qu'on en a perdu un ou deux. La vue intérieure, ouais, la vue intérieure tremble vachement. Je me rappelle pas que c'était le cas. Du coup, on va aller à l'autre aéroport. Ça nous permet de visiter un peu la map. Hein. Voir que c'est une map très complète, assez vide, assez américaine. Donc ça va pas forcément plaire à tous les joueurs français. Mais franchement, c'est quand même quelque chose. Hein. Tour de contrôle, nous essayons un atterrissage avec énormément de kérosène et aussi énormément de diesel à l'arrière. Qu'est-ce que ça va donner cet atterrissage? Ça a l'air d'aller. Moi ce qui me fait peur c'est que quand il va faire demi-tour au bout. Là je pense qu'on va en perdre. Là je suis en train de freiner hein, bien sûr. Mais comme d'hab il faut 50 heures pour le freiner cet avion apparemment. On va y arriver, hein. Petit à petit on va y arriver, on voit le compteur descendre. Ah non, on va réussir à les garder.
Est-ce que je peux déjà commencer à le déplier? Oh oui, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Parce que là, il va se mettre à tourner à 100 km/h. Ils vont très peu apprécier. Non, what? Adieu le masset. Bon, au moins, on l'a livré. Hein. Oh non, ils sont tous en train d'arriver. Non. À l'arrêt. Ok. Bon, on va compter tous ceux qui sont dans l'aéroport. Pour moi, c'est une réussite, ceux qui sont dans l'aéroport. Alors, 1, 2, 3. Donc, on a 3 là. 4 avec celui qui est dans l'eau. Ouais, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 avec le classe. Je crois que 30, oui, il y a le Fen là-bas. 30, ok, bah on en a perdu 3. On en a perdu 3 et j'arrive pas à rentrer dedans. Ah non, il y a celui-là aussi derrière. Ok, bah 31, bah on en a perdu que 2. Bah franchement, c'est pas mal. Bon allez, on se retrouve avec une deuxième partie de la vidéo. En vrai, c'est marrant. En vrai, c'est quand même plutôt marrant à faire. C'est une map qui est vraiment fun. Hein, pour délirer, c'est génial. On se voit sur BeamNG Drive limite. Bon, avec des avions, hein, mais c'est un peu l'idée. C'est beau, j'ai réussi à le mettre dans l'eau, c'est un peu galère. Du coup, quand j'appuie sur E, oula, ça l'allume. Le moteur fait énormément de bruit. Et ça fonctionne, il y a une vue intérieure? Ah non, il n'y a pas de vue intérieure, il y a une vue frontale. Ok, il sert à quoi le bateau? À rien. Mais c'est quoi ce boucan? Alors désolé si vous m'entendez pas beaucoup, mais c'est le bateau en fait. Il klaxonne? On va éviter de se faire strike. C'est Baby Shark. Ok. Bah c'est génial! C'est génial! On va passer au deuxième bateau du coup. Ah oui! J'adore, juste le klaxon ça me va en fait. J'achète directement. C'est magnifique franchement, non il est sympa, bon il a pas de feu ni rien. En gros celui-là il sert juste à transporter du matériel dessus en fait tout simplement. C'est juste pour transporter du matériel ou du stockage. Mais j'ai pas de... on peut pas baisser les barrières. Donc je n'ai pas trouvé comment faire monter des véhicules dessus. Donc si vous savez, bah j'aimerais bien savoir également. Peut-être qu'après c'est avec une rampe en passant dedans. Ouais ça serait logique, mais c'est marrant en vrai quand même. Il fait un léger bruit. Mais franchement ça se ressent pas, mais le meilleur c'est reste quand même le klaxon. Magique, et on peut rien faire d'autre avec. Non, il propose rien de spécial. Le troisième bateau, c'est clairement un bateau de riche. Hein. Là, on est à le Wahoo, qui est juste... Mais il est trop bien fait en plus. Il est génial. Mais non, t'as carrément une pièce ici. Mais c'est... Putain, mais on est sur Farming Simulator. Hein. J'aime bien le rappeler quand même. Oh, il fait du bruit aussi. Oh, il fait du bruit. Est-ce que ça bouge derrière? Ah ouais, ça bouge vraiment. Et le klaxon? Pareil, le même malaise au niveau des oreilles, mais sinon on peut rien faire d'autre. Mais ça se pilote bien en vrai. Mais on est sur farming, j'en reviens pas. Hein. Le volant ni les aiguilles ne sont pas animés, mais c'est marrant quand même, franchement. C'est marrant, les idées de ouf. Hein. Putain, je suis mort, je suis en train de me balader avec un bateau. Attends, est-ce qu'on peut rentrer dans un autre bateau? Wassa. Ah, ok, bon, très, très déçu. Bon, bah on passe au prochain. Bateau plus classique de transport également, un peu comme la barge que vous voyez en face de nous. Klaxon doit être le même. Un plaisir. Et en fait, c'est avec les clics qu'on peut lever, je crois, ou baisser les... Attends, il sert à quoi? Faire pivoter la grue vers la droite? Faire pivoter la grue vers... Ah, voilà, regardez, là, c'est pour ouvrir les barrières. C'est pour ouvrir les barrières pour faire sauter. N, enlever la bâche, ça fait quoi? Ah, ok, on enlève ici le... Parce qu'il peut être porté par une grue. C'est génial. Et ici, je sais pas à quoi me sert ce clic là, mais on a une vue intérieure complète. Ah d'accord, il fait vraiment un bruit ridicule. Putain, mais l'intérieur en vrai, c'est une photo, mais on a vraiment l'impression que c'est modélisé, c'est génial. En vrai, il est pas dégueu, et le klaxon, bah, on adore. Hein. Mais franchement, il est pas dégueu ce bateau. C'est littéralement le bateau qu'on a l'habitude de voir sur Farming, parce que c'est un bateau qui sert notamment à vendre le bois sur Beaver Creek. Je le veux dans déforestation totale. J'en ai rien à faire. C'est génial. Non mais... Attends, le klaxon.
Mais c'est génial! Attends, on peut faire quoi d'autre avec? Côté du déchargement? Ça, je sais pas ce que ça change, par contre. Mais, what? On peut ouvrir les containers. C'est magique. Genre, c'est magique. Bordel de merde. J'ai jamais vu un truc aussi cool que ces bateaux sur cette map. C'est le même principe, mais en plus gros. C'est le même bruit, le même klaxon. De malade. Ouais, j'adore. Alors pareil, ouais, c'est quasiment le même principe. Sauf qu'en plus de ça, il autoload. Il autoload les containers. Et on peut le sangler. On peut autoloader et sangler des containers. Non mais... Nous sommes sur Farming Simulator. Je comprends plus. Je ne comprends plus. C'est magique. C'est littéralement magique. On a juste à contempler. Je viens de tester plein de bateaux. C'était juste trop cool. Vraiment, j'ai adoré faire cette vidéo. J'ai découvert plein de trucs. Le modding est infini sur Farming Simulator. Il est infini. Je veux rien entendre. Vraiment, c'est juste génial. On va se laisser là-dessus. Sur ce petit tour en porte-cargo, c'est bien moi qui contrôle tout ça. Regardez, là, je vais à droite et là, hop, je vais à gauche. C'est juste magnifique. Enfin, c'est super. Vive farming, vraiment, vive farming, c'est super. Et on se retrouve très prochainement, du coup, pour d'autres vidéos, pour les séries habituelles, le mardi et le jeudi. C'était Energy. Ciao tout le monde.